sister lover, yeah. Na 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 na, ooh na na na. Ooh. Enrique and baby Saraya. Wide awake, wake, wake till 6 a.m. Time to work. Let me make you come again. Do it, yeah. Keep it hush, 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 don't tell no one. Undercover, Mr. Lover, yeah. Got enough, enough, enough to turn you on. If you let me go, I'ma do you right. If you let me in, I won't let you out my sight. You're sweeter than a honeycomb. Girl, I wanna be the man to take you home. I will listen, tell me anything you like. Hope you keep your body running till the daylight. Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp, j'espère que vous allez bien. Un gros merci à Maryse d'avoir fait la démonstration avec moi. Alors, on fait une danse qui s'appelle « Need Somebody, Nanana ». Alors, c'est une chorégraphie de 4 personnes, là. Shirley Bang, Ernie Yassin, Kim Young-jung, Kona et Penny Tan. Alors, c'est une chorégraphie qu'on fait sur les 4 murs. On part avec pied droit et c'est, dans le fond, c'est 4 fois 8, là, 4 parties de 8 temps. Alors, on débute avec la première partie, pied droit. On fait 2 polista, on croise en avant. 1 et 2, 3 et 4. On recule le pied droit. On va faire en arrière, sur place, côté ensemble. On fait un quart de tour à gauche. Dans le fond, les derniers pas, ce sont tous des vites. Donc, on part avec pied droit, 2 polista. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 et. Donc, 4 vites de suite. Et rendu ici, on avance le pied droit. Et on va faire en avant ensemble, mais 2 lents. 7, 8, un pas relativement grand. Alors, on recommence pied droit. 2 polista. 7, 8, 1 et 2. 3 et 4. 5 et 6 et 7, 8. Donc, ça, c'est le premier 8, première partie. Deuxième partie, on va encore une fois balancer en arrière. Toutes des vites. 1 et kick en avant, 2, on ramène ensemble et on va pointer de côté, on ramène ensemble et on pointe de l'autre côté.
Mais ce sont tous des vides, donc ça fait 1 et 2 et 3 et 4. Et le truc, dans le fond, c'est de rester sur place, de ne pas déplacer le corps. Si on déplace le corps, on va perdre l'équilibre. C'est quasiment sûr. Donc, on recule le pied droit. 1 et 2 et 3 et 4. Rendu ici, on va faire une tour à gauche en continuité. On va croiser en avant avec le pied droit. Croiser, on tourne en arrière. On lève le genou. En arrière, côté, croise en avant. Donc, tour à gauche en continuité de samba. Alors, si on fait seulement la dernière partie, croise en avant, côté, en arrière, lève le genou. En arrière, côté, croise en avant. Alors, si on fait le compte, on est rendu à 4, 5 et 6 et 7 et 8. Donc, ça complète la deuxième partie. Mais juste la refaire, la deuxième partie, on balance en arrière ou arrêt arrière avec pied droit. Donc, on fait 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Alors, si on fait les deux premières parties, pied droit, on va croiser en avant, 2 polystas, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7, 8 en arrière, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Rendu ici, on va tourner un huitième. On va aller vers le mur de droite et on va faire mambo en avant et mambo en arrière. En avant, sur place, en arrière. En arrière, sur place, en avant. Déjà ici, on va tourner un huitième pour aller faire deux cinquièmes sur le mur de départ. Donc, on va tourner un quart de tour à gauche. 5 et 6, 7 et 8. Alors, si on refait seulement la dernière partie, on vient de croiser et on tourne un huitième à droite. Mambo, 1 et 2 en arrière, mambo, 3 et 4 quarts de tour, 2 cinquièmes, 5 et 6, 7 et 8. Alors, si on reprend du début, pied droit, 2 polystas, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4 en arrière, 5 et 6 et 7, 8 en arrière, 1 et 2 et 3 et 4 croisés, 5 et 6 et 7 et 8, mambo, 1 et 2. 3 et 4, 2 cinquièmes, 5 et 6, 7 et 8. Dernière partie, on va croiser en avant avec pied droit. 1 et 2, quart de tour à droite. On va en avant avec le pied gauche. 3, demi-tour à droite. Sur place 4, on fait un chassé avant. 5 et 6. Et rendu ici, on va aller en diagonale de côté en avançant. Côté, touché, côté, touché. Donc, on s'en va en diagonale à droite et diagonale à gauche. On reste face au mur. Donc, on va en avant, de côté, touché. En avant, de côté, touché. Alors, si on fait seulement la dernière partie, la quatrième partie, on croise en avant avec pied droit. 1 et 2, demi-tour. 3, 4, chassé. 5 et 6 et 7 et 8. Donc, c'est plus rapide à la fin. Et quand on est rendu là, ce qu'on fait, on recommence du début, mais il faut faire donc les quatre murs. On repart avec polystas, 1 et 2, 3 et 4. En arrière, sur place, côté ensemble, quart de tour. En avant, ensemble pour le 7-8. Encore en arrière, 1 et on kick, 2 et pointé et 4 pointé. Croise en avant, 5 et 6 relevé, 7 et croisé, 8. On va vers le mur de droite, mambo, 1 et 2. 3 et 4 quarts de tour, 2 cinquièmes, 5 et 6, 7 et 8, croise en avant, 1 et 2 quarts de tour à droite, 3, 4 demi-tours à droite, chassé, 5 et 6 et 7 et 8, et on recommence encore donc du début. Okay? Alors, dans cette danse, il y a une transition rendue sur le quatrième mur, il y a ce qu'on appelle un restart, on fait dans le fond 3 partie, les trois premières parties, et on repart du début. Donc, après les deux cinquièmes rendus ici, 5 et 6, 7 et 8, au lieu de faire la quatrième partie, le quart de tour, le demi, le chassé, tout ça, là, on repart du début. Donc, on fait les cinquièmes et 6, 7, on repart, restart, 1 et 2, 3 et 4. Okay? On repart du début. La finale, quand on est rendu sur le mur ici et qu'on va faire, dans le fond, on revient en réalité face au mur de départ. On part avec pied droit.
Et on va partir avec Polista, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7, 8. Deuxième partie, 1 et 2 et 3 et 4. Rendu ici, 5 et 6 et 7 et 8. Et on fait 9 en avant. Donc, on va tourner un petit peu moins. Il faut revenir face au mur de départ. Si je refais à partir de 5, là, 5 et 6 et 7 et 8, 9. Et on fait un mouvement avec les bras. Alors, merci beaucoup et bonne danse. Hey guys, this dance is called Need Somebody Na Na Na. It's choreographed by Shirley Bang, Ernie Yassin, Kim Yun Jung Kona, and Penny Tan. It's a 32 count, 4 wall, improver level line dance. So we start with the right foot and we do two cross sambas. So cross, side, recover, cross, side, recover. Then with the right foot, you go back, back, recover, side together, you do a quarter turn to the left, you will be facing the 9 o'clock wall. So let's do the same steps with the counts, okay? 7, 8, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, and then you go forward with the right foot, a big step, 7, 8 together with the left. So let's do section one with the counts, okay? 7, 8, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 and 7, 8. Section two, you go back with the right foot, back, recover, then you kick forward together, you point on the side with the left, then you bring the left foot together, and you point on the side with the right foot. If we do the same steps with the counts, we go back with the right foot, section two, 1 and 2 and 3 and 4. Then with the right foot, you cross, you go back twice facing the left corner, and you lift your left knee. So let's do only these particular steps. So you cross with the right foot, 7, 8, 5 and 6, and then you go back, still facing the corner, you go sideways facing the 12 o'clock wall, and you cross with the left. So let's do only section two, okay? You go back with the right foot, 7, 8, 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6, and 7 and 8. Then you will turn to face the 3 o'clock wall, and you will do a forward mambo for the section three. Forward, recover, back, then a back mambo, you go back with the left, back, recover, forward. Then you will turn a quarter turn to the left and you will do two side sambas. Side, back, recover. Side, back, recover. So let's do only section three. So we crossed with the left foot and we do a forward mambo, but we go to the 3 o'clock wall. 7, 8. 1 and 2. 3 and 4. 5 and 6. 7 and 8. Section four, with the left foot, you cross, cross, recover, forward, quarter turn to the right. You go forward with the left, and you will do a half right turn pivot, and you will recover on the right foot. So let's do the last steps with the counts, okay? 7, 8, 1 and 2, 3, 4. Then you go forward with the left. You will do a forward shuffle, forward together, forward. And then you will go diagonal to the right, step, touch with the left. Diagonal to the left, step, touch with the right foot. So let's do section four with the counts, okay? So you cross with the right foot, 7, 8. 1 and 2, 3, 4, 5 and 6 and 7 and 8. Then you start from section one on the 9 o'clock wall. You do all the sections, okay? So in this dance, there's a restart on wall four. When you do wall four, you will do the first three sections and then you will do a restart. So if we do wall four, you do cross sambas, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 and 7, 8,
One and two and three and four. Five and six and seven and eight. One and two, three and four, five and six, seven and eight. Then you restart. You do the cross sambas. You start all the sections, okay? For the ending, you're on wall, on the 12 o'clock wall. You start from section one, the cross sambas. One and two, three and four, five and six and seven, eight. One and two and three and four, five and six and seven and eight, nine. You do a step forward with the right foot and you do a round with your arms for the ending, okay? So I hope you enjoyed learning this dance with me. So take care and stay safe.